Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 340e épisode de notre Let's Play Station Heroes saison 5 sur Vulcain. Et aujourd'hui, on va tester un nouveau modèle de SAS. Allez, en route. Allez. C'est un délire, ça. Avant, ça marchait très bien. J'ai souvenir que ça marchait bien avant. Ok. Non, on peut pas. Si. Non, ça non. Ça m'énerve. Et pas à l'envers. Peut-être. Là, je suis pas sur le bon bloc. Ouais, il va comme ça. Après, je peux tenter de le mettre comme ça. Mais c'est pas mieux. Là, c'est mieux de faire comme ça, du coup. Ok. Bon, de toute façon, là, on est en train de faire une preuve de concept. Non. Yep. Et que toi, tu vas arriver au milieu de mon sas, du coup, si je mets mon sas là. Il faudra que je mette mon sas là. Dans ce cas-là, ça ferait un trou juste ici. Mettons qu'on le mette comme ça. Donc la question était, qu'est-ce que je peux mettre en termes de hangar d'or ? La réponse est, ça passe comme ça. C'est pas comme ça. Placement block. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est la présence des frames? Ouais, je pense que c'est la frame.
De toute façon, effectivement, il faut retirer la frame. Celle-là. Ça, c'est pas un problème. Là, par exemple, il est d'accord. Là, il n'est pas d'accord. Là, il est d'accord. Quelle est la différence? En ce sens-là, il veut bien. Est-ce que ma frame est construite? Si j'enlève ça, je peux placer? Autre chose qui le gêne. Et là, il veut bien. Et sinon, elle est... Non, elle demandait un truc, là, pour le hangar. Non? C'était que les grandes? Non. Hangar. Small. Il demande juste ça. Medium. 2 steel sheet. Ok. Et large, 3 steel sheet. Ok. La petite, elle demande 0 steel sheet. D'accord. Ok. D'accord. Et donc je soude ça à nouveau. Et si je mettais un... Un button. Déjà, referme. Voilà. Un bouton. Et une hauteur qui soit cohérente. Je peux appuyer tant que je suis sur les chaînes. Donc, à la limite, je pourrais mettre deux portes de hangar et faire un sas vertical. Sas totalement vertical, parce que je pensais le faire entre vertical et horizontal, c'est pour ça que j'ai mis mal. Steel sheet en dessous. Thank you.
Je pourrais le déclencher avec des capteurs. Je pense qu'on va faire une deuxième porte de hangar. Totalement verticale. C'était là. J'aurais besoin d'un IC, j'aurais besoin de 3 capteurs. Est-ce que j'ai encore des sensors? Ils ont pas 150. J'ai besoin de 2 active vent et passive vent. Je peux passer de bouton si je mets les capteurs. J'ai besoin d'un sensor à l'intérieur. Là, on est pas mal. Ah, non, ça c'est un problème. Où je vais pouvoir faire passer mon câblage? Par le milieu. Par le milieu, par... Voilà. Est-ce que je peux au moins faire passer du câblage par ici? Oui. Besoin de toi. Du
Terre. Proximity et Occupancy. Je vais vérifier lequel des deux je veux. Sensor. Will trigger if there is a play if a player is in the range of the sensor. Et fini par le setting. Ok. Occupancy. Same room. Ok. A priori, un proximity. Oui, j'ai attrapé la échelle. Donc là, il y a rien. Là, il y a. Ok, c'est en nombre de petits blocs, donc. Ok. Occupancy. Ainsi, comme je suis pas dans une room, ça va pas marcher pour l'instant. Il faut que je sois dans une room. Donc, il va falloir faire une room. Là, je devrais théoriquement être dans une room. Théoriquement. Oui, je suis dans une room. Ah bah oui, là il est vert. Ah, ah.
fois. Proximity. Mieux comme ça? Ou est-ce que je le mettrais sur la, cette frame là que j'aurais préalablement soudé? Peut-être sur cette frame là que j'aurais préalablement soudé. Proximity. Par où je vais pouvoir faire remonter le câblage par contre? Ah, je vais me faire passer par là. Ok. Tu vas t'appeler PS Low. Je pense si PS. Allez, ça peut être INT. On va standardiser le truc. XT. Ok. Ça, c'est SHD XT. Et INT. Allez, salut Kayla. Je pense qu'on est pas mal là. Pour descendre ici, il faudra se décaler encore. Faut pas qu'on passe par là pour descendre. Quoique. Et on s'en fout. On s'en fout. Bah c'est pas là. Nia, toi. On va par là. Toi je peux pas passer, je suis obligé de passer. Je peux passer là? Je peux pas passer là. Je peux pas passer là. Ah, c'est par rapport au sens dans lequel je l'ai mis. Je l'aurais mis dans l'autre sens. J'aurais pu passer là. En vrai. En réalité, ça m'arrangerait. Alors, sauf que du coup, je vais pas pour t'ouvrir. Si. Ah oui, parce que t'es connecté, mais pas alimenté en réalité. Ce qui veut dire que toi, j'ai pas besoin de te faire passer par-dessus. Je peux te faire.
Yep. Ça, je peux faire passer par là. Donc, je peux me passer de celui-là. Donc toi, je peux même te faire passer là. Là, comme ça. Non. Ça, j'en ai besoin par contre. Ok. Je vais avoir besoin de mes ventes. Donc, une d'un côté et une de l'autre. Pour l'instant, on va juste se mettre... facile un petit peu loin pour être tranquille en termes de pression. Voilà. Donc j'ai mes deux portes. Je renomme celle-là. J'ai besoin de nommer mes vents. Active vent. XT. Et INT. Oui, je fais un SAS vertical. Enfin, je vais essayer. SAS vertical automatique. J'ai besoin d'un sensor. Yes, sensor. Ouais, du coup, je vais te tourner, tu seras plus logique. En occupant six sensors dans ce sens-là. J'ai juste besoin de tirer mon câblage en dessous. Hop. Alors, j'ai combien de devices ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 devices. Lui, je peux le batch read. Lui, je peux le batch read. J'ai les proximity sensors. Il y en a deux. Event, il y en a deux. Les portes, il y en a deux. Donc 6 devices, ça passe. J'ai pas besoin de ce bouton du coup. Du coup, ce câble non plus. Housing. Alors là, ça ira bien.
PSINT. Non. SHDINT. SHDEXT. PSINT. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!